Chers amis, selon la formule convenue, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, le soleil qui nous a visités d'en haut, selon les mots de l'évangéliste Luc. La lumière se lève sur notre vie et cette lumière éclaire notre vie d'un nouveau jour et ce que nous appelons Noël. Noël, nous allons découvrir que ce soir, Noël peut prendre les allures d'une pastorale, la pastorale des centons de l'oratoire. Alors, pour nous plonger dans cette histoire assez étonnante, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, celui que nous utiliserons tout au long de cette heure de méditation, au cantique 103, d'un arbre séculaire, pour retrouver les origines de cette histoire. Nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3, et nous pouvons nous lever pour le temps de ce chant. 1 et 2. Prenons place, nous chanterons ensuite le cantique 88, si vous voulez vous y préparer. Ainsi donc, nous étions au temps de François, président de la Fédération protestante de France, et l'ange Gabriel appela le secrétariat de l'oratoire du Louvre. Secrétariat de l'oratoire du Louvre, bonjour, à qui ai-je l'honneur ? L'ange lui dit « Je te salue, une grâce a été faite à ton Église, le Seigneur est avec vous. » Troublée par cette parole, la secrétaire de l'oratoire du Louvre se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, car cette Église a trouvé grâce devant Dieu. Voici. » Cette Église enfantera un fils auquel on donnera le nom de Jésus. Ah, mais vous devez faire erreur. C'est Port-Royal que vous vouliez contacter, je pense. Ici, c'est l'oratoire, près du Louvre. Ceci dit, cela arrive de se tromper. Pascal, les jansénistes, mais ici, ce n'est pas une maternité. « Celui dont je parle, dit l'ange, sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Ah, je comprends. C'est votre manière de dire que vous voudriez faire baptiser votre fils, votre unique, celui que vous aimez tellement que vous voulez qu'il reçoive le signe de l'amour de Dieu, inconditionnel. Mais je ne sais pas si ça va être possible ici. Vous savez, nous ne sommes qu'une toute petite paroisse, le trône de David. Ce n'est pas la cathédrale de Paris non plus, hein.
Comment cela se ferait-il alors que vous dites que vous venez de la part de Dieu lui-même ? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra en ton sein sera appelé Fils de Dieu. Soit, mais il va quand même falloir que je consulte l'agenda. Vous comprenez, il faut que ce soit libre et puis qu'il y ait un pasteur disponible pour vous accompagner. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Et la secrétaire répondit, qu'il soit fait selon votre parole. L'ange raccrocha. La secrétaire se leva et s'en alla en hâte vers les pasteurs pour les alerter de cette étrange conversation. Fallait-il s'occuper de quelqu'un qui semblait un peu dérangé, en tout cas assez étrange ? Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement, répondirent les pasteurs. Du moins, est-ce ce qu'elle a retenu ? Retournant à son bureau, elle se dit « Mon âme exalte Dieu. Plus j'y pense et plus je me réjouis en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de son Église, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Puissant a fait de grandes choses. Oui, tout est bien avec Dieu. » La secrétaire demeura dans cet état de béatitude encore quelque temps, puis elle rentra chez elle en fredonnant cette mélodie qui désormais l'accompagnerait chaque jour, le cantique 88, les strophes 1, 2 et 3. Nous pouvons rester assis. Nous chanterons ensuite le cantique 112. En ce temps-là, c'est-à-dire 500 ans après la Réforme, eh bien, c'était encore le temps des réformes. Ah, les réformes ne manquaient pas. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'agitation dans le pays. Les gens allaient, venaient, certains quittaient le pays pour aller voir si les prés d'herbe étaient plus frais de l'autre côté de la vallée de l'ombre de la mort. Dans les palais ministériels, ça valsait pas mal. C'était un temps de grande incertitude, de trouble pour beaucoup. Le peuple avait-il l'impression de marcher dans une longue nuit ? Certains, il est vrai, s'évertuaient à tout assombrir.
Toujours est-il que Joseph, le père de celui qui avait été annoncé par Gabriel, se rendit du côté de Bethléem, parce que c'était le quartier où il était né, et il se disait que cela lui donnerait du courage de retourner dans les lieux de son enfance pour affronter plus sereinement ce qui devait arriver. Nous étions près du 31 décembre, c'était encore le bon moment pour se faire inscrire sur les listes électorales, c'était encore le bon moment aussi pour réserver une place en crèche et préparer la liste de naissance. Car n'oublions pas que Marie, sa fiancée, était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, devant les grands magasins des grands boulevards, illuminés de toutes parts, dont les vitrines offraient les plus beaux spectacles, le temps où Marie devait accoucher arriva. Ils allèrent à l'oratoire, le temple où leur wedding manager, Gabriel, avait tout organisé. Ils arrivent au 1 rue de l'Oratoire et ils sonnent. Oui, c'est pourquoi, leur demanda le sacristain vêtu de sa grande tenue. Voici Marie, ma fiancée, je suis Joseph. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Nous avons réservé chez vous pour célébrer la vie en plénitude, la vie à laquelle Dieu nous appelle, la vie pleine de rire, pleine de joie, de tendresse, d'amitié, de beauté, d'imprévu et au-delà. Ah, Joseph et Marie, vous dites. Le sacristain consultait son planning. Ah non, je n'ai rien sur l'agenda, pas pour aujourd'hui, vous avez dû vous tromper. Il n'y a pas de place pour vous ici. Mais enfin, regardez encore, il y avait une réservation. C'est ce qu'on nous a dit, Gabriel. Vous avez dû être mise au courant par Gabriel. Voyez dans quel état est ma femme. Elle va accoucher. Ah, désolé, c'est pas ma faute, rétorqua le sacristain. C'est pas ma faute non plus, répliqua Joseph. Bon, entrez. On va essayer de trouver une solution. Il y a un petit coin par là, c'est chauffé. Allez, venez. C'est quand même pas ici qu'on va laisser les gens dans l'embarras. On est là pour trouver des solutions. La nuit qui enveloppait Marie et Joseph était soudainement moins sombre pour eux deux. La douceur toute parisienne du sacristain avait réveillé en eux cette petite flamme d'humanité qui avait quelque peu fait défaut ces derniers temps. Cette nuit devenait bienveillante. Cantique 112, les strophes 1, 2 et 3.
Nous chanterons ensuite le cantique 102. Il y avait à Paris des pasteurs qui passaient leur nuit à bosser hébreu et grec et organisaient toutes sortes d'activités pour leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la présence lumineuse de Dieu fut sensible autour d'eux. Autant vous dire qu'ils n'en menaient pas large, et ils se demandaient bien ce qui allait arriver. Mais le messager leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville du baron Haussmann, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à ce messager une multitude d'autres messagers, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Certains disent que c'était le cœur de l'oratoire. Cette multitude d'anges était semblable à la multitude de tuyaux d'un orgue. Il y avait une forte puissance d'évocation dans le message de ces anges, mais rien de violent, rien d'agressif. Au contraire, ils avaient parlé d'un enfant. Ils avaient parlé de fragilité et pas de toute puissance. Ils avaient parlé comme l'avait fait autrefois le prophète Ésaïe, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Dit en hébreu, c'était encore plus doux. « Ki yeled yulad lanu, ben nitan lanu. » C'était comme une berceuse qui venait annoncer au monde une nouvelle qualité de vie. Une vie où les rapports de force n'étaient plus nécessaires, car tout le monde était reconnu digne de faire partie de cette humanité. Une vie où le bonheur et la grâce n'étaient pas simplement de beaux mots qui retentissaient parfois dans les églises, mais des mots qui seraient la vérité de chaque existence. C'était une vie qui donnerait tout simplement le sourire, ce sourire que les jeunes enfants suscitent sur les visages de ceux qui les entourent. Voilà ce que disait la puissante douceur de ces messagers divins. Voilà ce que disait cette berceuse de Noël.
Les pasteurs étaient quand même assez interloqués par ce qui leur était arrivé. Alors ils sortirent le nez de leurs livres, de leurs ordinateurs, et ils traversèrent la rue de l'oratoire, comme autrefois le peuple hébreu avait traversé le Jourdain pour entrer en terre promise. Ils se hâtèrent, dévalèrent l'escalier, laissant l'ascenseur à ses turpitudes saisonnières, et ils passèrent sur l'autre rive. Ils trouvèrent Marie et Joseph et racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cette naissance. Le sacristain, qui était encore auprès d'eux, et quelques paroissiens qui étaient venus rendre quelques menus services, les entendirent et furent dans l'étonnement de ce que disaient les pasteurs. Comme toujours, c'était brillant, profond, inattendu et propice à la méditation personnelle. Du coup, tout le monde gardait ses paroles et les repassait dans son cœur. Les pasteurs se mirent à louer Dieu, à dire merci. Merci pour la vie formidable que chacun pouvait connaître dès qu'il se mettait à se poser la question de Dieu, à réfléchir au sens de l'histoire, à mettre les couleurs de l'Évangile dans sa vie quotidienne. Oui, il est vraiment juste et bon d'être là et de savourer ces heures que nous partageons, ces heures qui sont le plus beau cadeau de Noël qui soit, car rien, jamais, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous retirer ces instants de bonheur où nous nous sentons tellement en phase avec la vie véritable. Ces instants où nous sommes en harmonie les uns avec les autres. Ces instants où nous pressentons bien que ce que nous vivons est à la hauteur de l'espérance proclamée par les textes bibliques. Oui, il était juste et bon pour les pasteurs d'être sortis de la retraite de la maison presbytérale et d'avoir mis un pied sur cette terre promise aux anciens, où la joie profonde était véritablement permise. Cantique 102, strophe 1, 2, 3. Nous chanterons ensuite le cantique 90. Parallèlement à tous ces événements, des éclaireuses et des éclaireurs unionistes faisaient une course d'orientation. Ils suivaient les signes de piste, ces signes que leur offrait la vie. Et les signes ne manquaient pas. Et l'ensemble de ces signes ne
ménageaient pas leur capacité d'interprétation. Heureusement, eux-mêmes n'avaient pas ménagé leur peine, ils avaient bien travaillé la topographie. Leur connaissance des différents éléments qui font notre environnement leur était bien utile pour se repérer. Ils avaient parcouru bien des kilomètres, franchi bien des frontières, y compris des frontières personnelles, repoussant parfois leurs propres limites, limites physiques, limites intellectuelles, morales, au-delà de ce qu'ils pensaient possible. Ils avaient eu l'audace de mener leur aventure loin de la tanière en quittant la meute lorsqu'ils étaient louveteaux, et ils avaient désormais le courage d'être au plus près de la vie, près des événements marquants. Rendant service quand cela était nécessaire, ils allaient leur chemin, quelques rêves en tête, au rythme des coups de cœur, des impératifs et des choix qui leur semblaient les meilleurs. Ils se frayaient un chemin par lequel personne n'était encore passé pour entrer dans cette fameuse carrière que leurs aînés leur avaient préparée. Alors, à force d'endurance, à force de triangulation pour se repérer, à force de renseignements pris pour mieux s'orienter, à force de consulter les cartes établies par les aînés, les éclaireuses et les éclaireurs étaient au plus proche de leur vérité, au plus proche de leur vie d'adulte, de leur majorité, cette majorité dont parle Emmanuel Kant ou le théologien Friedrich Gogarten quand il élabore sa théologie de la sécularisation. Mais ne nous perdons pas en détail, car les voici qui approchent. Les éclaireurs arrivèrent et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. » Cantique 90, strophes 1, 2, 3 et 4.
Nous chanterons ensuite le cantique 101. Le président du conseil presbytéral, ayant appris cela, fut troublé. Alors il assembla tous les conseillers presbytéraux et les membres de l'entraide, et il s'informa auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Alors ils ouvrirent les registres des délibérations et se mirent à rechercher ce renseignement. Le ravalement du temple, c'était pas ça. Le sujet synodal sur la bénédiction, c'était pas ça. Les valeurs mobilières de placement, pas ça non plus. Les dons aux œuvres, non plus. Le recrutement du chef de chœur, pas ça non plus. La vente de début décembre, non plus. Le repas organisé avec le Centre d'action sociale protestant, non plus. Rien. On avait beau éplucher toutes les archives, rien. On avait même scruté et déchiffré le procès-verbal de l'Assemblée générale changeant les statuts pour que l'Église adhère à l'Église protestante unie de France. On avait même consulté le centre social La Clairière, rien. C'est alors qu'un conseiller trouva dans un coin des archives un recueil qui n'avait pas encore été scruté. C'était les archives bibliques. Chacun s'y pencha jusqu'à ce qu'on trouve ce verset du prophète Michée : « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Le président du conseil demanda où pouvait bien se trouver ce quartier de Bethléem. Un éclaireur qui avait passé sa première classe et son brevet « ami de la Bible » lui tint à peu près ce discours. « Bethléem » c'est un mot hébreu qui veut dire « maison du pain ». En gros, ça veut dire « boulangerie ». C'est donc le quartier de la boulangerie. Le président du conseil ne voyait pas quel quartier de Paris pourrait être le quartier de la boulangerie. Autant bonne nouvelle, il voyait bien. Autant éventuellement l'étoile, il savait où ça se trouvait. Mais boulangerie ? Voilà qui n'avait rien d'évident. Mais l'éclaireur de première classe reprit. « Si, si, je sais, c'est du côté du Pont des Arts. » Du côté du Pont des Arts ? Mais oui, bien sûr. Quand vous êtes sur le Pont des Arts, vous êtes entre le Louvre et l'Institut de France. C'est donc bien le quartier de la boulangerie. Comprenez que le président était assez perplexe. L'éclaireur précisa, c'est simple. Quand vous êtes sur le Pont des Arts, vous êtes entre le Louvre et l'Institut. C'est le quartier de la boulangerie parce que le Louvre, c'est la Cadécroute et l'Institut, c'est l'Académie. Tout ce qu'il faut pour faire du pain, non ? Les éclaireurs partirent donc et suivirent l'axe du Pont des Arts. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue au-dessus de l'oratoire du Louvre était fixée. Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans le temple, virent Marie, Joseph, le sacristain, les paroissiens, les pasteurs. L'ambiance était résolument à la joie de vivre. Ils avaient le sentiment que la vie était palpable, là, quasiment possible de la toucher du bout des doigts. Et c'est comme si la vie authentique
était venu au monde, devant leurs yeux. Alors ils ouvrirent leurs trésors et ils offrirent qui de l'or, qui de l'encens, qui de la myrrhe, tout ce qui était une manière d'exprimer sa reconnaissance, de traduire cette très grande joie qui les animait et d'affirmer la valeur du moment vécu. Oh, quel beau geste que ces offrandes! Un beau geste que nous pouvons à notre tour effectuer maintenant, puisque c'est le moment de l'offrande. À la manière des éclaireurs, à la manière des pasteurs, à la manière des paroissiens de ce récit de Noël, à la manière de celles et ceux qui ont été mobilisés, se sont rassemblés à l'annonce de la naissance du Sauveur, eh bien, nous pouvons nous aussi adopter une posture priante et nous recueillir. Oui, nous sommes reconnaissant pour cet évangile de Noël, cette lumière sur notre vie, dans ce qu'il y a de plus quotidien, dans ce qu'il y a de plus ordinaire. Il y a donc des éléments pour rendre notre histoire extraordinaire. Il y a assez pour nous sortir de notre assoupissement, de notre routine, de nos soucis,
La vie est autrement plus intéressante, autrement plus belle que ce que nous redoutons si souvent. Et surtout, nous avons donc notre part à jouer à notre niveau pour que la grande histoire puisse voir le jour, que la vie voit le jour. Voilà la grande et belle affaire de Noël. Oui, nous sommes reconnaissants de découvrir que nous pouvons contribuer, même modestement, à ce que la vie voit le jour, soit par une naissance, soit par un peu de place, soit par un peu d'aide, soit par quelques paroles qui orientent, qui donnent du sens. Oui, nous sommes reconnaissants de découvrir que la vie peut voir le jour, même lorsque tout est sombre, même lorsque nous avons le sentiment d'être allés au bout de l'histoire. Nous sommes reconnaissants de découvrir que notre vie peut à nouveau voir le jour, que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, que nos râles, nos soupirs, nos envies, nos rêves peuvent prendre une autre dimension et faire advenir une vie plus épanouie, plus riante. Oui, nous sommes reconnaissants de cette grâce de Noël qui nous redit que l'amour est encore possible et donc que la paix peut se concrétiser ici et maintenant. Et pour nous aider à aller dans le sens de ce que provoque Noël, pour nous aider à susciter le renouvellement de toute existence, nous nous associons à ces mots que l'enfant de Bethléem enseignera à ceux qui seront ses disciples. Et nous nous levons. Nous nous levons pour dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Prenons notre recueil de chants au cantique 101. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 6. Quatre strophes, 1, 2, 3 et 6.
Nous restons debout, car une collation nous attend de l'autre côté de cette double porte dans la grande sacristie, justement par ces paroissiens venus rendre des services. Merci à eux. Vous pourrez peut-être laisser les cantiques en bout de rangée, ce sera plus simple pour le rangement, justement. Par contre, prenez la feuille qui est à l'intérieur, ce sont des dates pour les rencontres de l'oratoire. Les cantiques n'en ont pas besoin, en revanche, vous, vous en avez besoin. Ne figure pas le fait que nous nous retrouvons demain, ici même, à 10h30, pour notre culte de Noël. Donc, veillez, mais pas trop. Joyeux Noël. Déclinez-le tel que vous le souhaitez, pourvu que ce soit joyeux et que cela fasse advenir plus de vie. Avant de nous séparer, de nous retrouver, recevons la bénédiction de Dieu. Car mes frères et sœurs, le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Amen.